je connais Gilles, en fait, parce qu'il a fait partie de la première équipe que j'ai entraînée avec Yannick Noah et Pascal Porte. Et on était à Roland-Garros, il y avait quatre petites chambres dans la maison du gardien. Et c'est quelqu'un que j'ai suivi, bien sûr, en l'entraînant pendant quelques années. Et puis après, je l'ai suivi quasiment tout le temps parce qu'il a été directeur du tournoi de Lyon et on allait toujours jouer le tournoi de Lyon. Et puis quand il y a eu la finale de 91, c'est lui qui a organisé la finale. Donc c'est quelqu'un en fait que j'ai toujours suivi. Et le voir aujourd'hui vraiment être candidat pour la présidence de la Fédération de tennis, je trouve que c'est absolument formidable. C'est formidable pour lui, mais c'est formidable pour le tennis français. Je trouve qu'il coche un peu toutes les cases. Je crois que c'est quelqu'un qui a été chef d'entreprise, qui avait 80 employés sous ses ordres. C'est quelqu'un qui connaît tout. Il est remarquable parce que c'est un battant. Il est comme il était au tennis. Hein. C'est quelqu'un qui est accrocheur, qui se bagarre, c'est un attaquant. Et quelqu'un qui va au bout de ses possibilités. Et je le vois d'ailleurs là, depuis qu'il est candidat, il est comme il était quand il était joueur. C'est-à-dire qu'il est à fond. Il est à fond. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et j'espère vraiment qu'il sera président parce qu'on a besoin de quelqu'un qui connaisse vraiment le tennis aussi bien qu'il le connaît lui.